Bonjour, c'est David et dans cette vidéo, je vous partage une étude de cas qui va vous permettre de comprendre comment vous pouvez aujourd'hui vivre de votre passion grâce à Internet. Je vais analyser une chaîne YouTube qui s'appelle l'Atelier René Milon qui a aujourd'hui plus de 7300 abonnés et je vais vous montrer comment vous pouvez vous aussi, à partir de votre passion, créer une chaîne YouTube, créer un blog et faire de l'argent grâce à votre passion. Alors, avant d'aller plus loin, comme chaque jour, je vous invite à indiquer en commentaire quels sont vos objectifs de la journée afin que l'on puisse échanger ensemble là-dessus. Vous pouvez également partager vos freins et vos questions. Je prendrai le temps d'y répondre et la communauté pourra grandir ensemble. Vous pouvez également télécharger votre formation offerte en cliquant sur le lien qui vient d'apparaître en haut à droite de cette vidéo ou bien dans le lien qui se trouve dans la description de cette même vidéo. Alors c'est parti pour une étude de cas de l'atelier René Milon. Alors c'est une chaîne YouTube que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et je trouve que cette personne qui s'appelle René Milon s'en sort très très bien au niveau marketing. Vous allez voir qu'au partir de sa, à partir de sa passion pour la peinture, eh bien, il a pu créer un business en ligne. Et je vais vous partager deux vidéos, en tout cas deux extraits. Je vais vous donner des feedbacks et puis on ira sur son site internet au travers de l'appel à l'action qu'il va faire. L'appel à l'action, c'est un bouton, un lien qu'il met dans sa vidéo pour vous inciter à aller sur son site internet. Vous allez découvrir tout cela, je vous fais des feedbacks et l'idée c'est que vous puissiez grandir également en prenant ces feedbacks et en adaptant cela à votre projet d'entreprise et au départ de votre passion, faire quelque chose avec cela. Alors l'idée de René Milon, c'est de partager des contenus intéressants par rapport à la peinture. Alors évidemment, je suppose, je ne le connais pas encore, René, pas personnellement en tous les cas, mais je suppose qu'il est passionné par la peinture. Et vous voyez, il poste toute une série de vidéos sur la thématique de la peinture. J'en ai sélectionné deux que je vais vous partager. Vous allez voir que le cadrage et le montage ne sont pas spécifiquement difficiles à réaliser. Vous pourriez le faire vous aussi depuis chez vous à partir du moment où vous avez un bon éclairage et à partir du moment où il fait calme dans la pièce pour dire d'avoir un bon son ou au besoin vous investissez dans un petit micro-cravate qui coûte 25 euros et vous pouvez vous aussi démarrer dès maintenant votre chaîne YouTube. Vous pourriez faire ce qu'il fait ici au travers d'articles de blog. Vous n'êtes pas obligé de vous montrer en caméra. Ce qui est intéressant avec la caméra, c'est que les personnes apprennent à vous connaître. Alors certes, il faut être prêt à ne pas être aimé de tout le monde, hein. C'est un message que j'aime beaucoup faire passer parce que j'ai vécu des choses personnellement qui m'ont frustré au travers notamment de la vidéo. Mais quoi qu'il en soit, à partir du moment où vous êtes OK sur le fait que vous ne pouvez pas être aimé de tout le monde et que vous avez envie de partager votre passion, eh bien foncez parce que la vidéo c'est un bon média, un bon moyen de se faire connaître et de tisser une relation avec les personnes, vos prospects, vos futurs clients et vos futurs ambassadeurs. Alors, l'atelier de René Milon, j'ai choisi une vidéo, première vidéo, qui s'appelle 10 choses à faire pour devenir un excellent peintre en quelques semaines. J'adore le titre de cette vidéo. Pourquoi? Tout simplement parce que 10 choses pour, 10 astuces pour, X conseils pour, déjà, c'est un début de titre qui accroche. Votre titre de vidéo ou d'article de blog doit absolument accrocher les personnes à qui vous vous adressez. Si vous vous adressez à des personnes qui veulent devenir peintres, eh bien 10 choses à faire pour devenir un excellent peintre, ça accroche. Et en quelques semaines, c'est une promesse. Alors, on pourrait être plus précis en disant en 2 semaines, en 3 semaines, en 5 semaines. En tous les cas, c'est mieux que rien. Donc, 10 choses à faire pour devenir un excellent peintre en quelques semaines, c'est déjà top. Alors, nous allons regarder un petit peu cette vidéo. Je vous laisse la vidéo quelques secondes et vous allez voir en fait comment ça se passe. Chose à faire pour devenir un excellent peintre en quelques semaines. Comment est-ce qu'on peut devenir un excellent peintre en quelques semaines en appliquant ces 10 choses, ces 10 points importants qui sont utilisés par tous les artistes? Ce sont des choses fondamentales qui nous permettent de devenir un meilleur peintre. Voilà, alors là, une accroche en début de vidéo. On va voir qu'un peu plus loin, il propose un appel à l'action. Donc c'est à la fin de la vidéo. Il vous propose d'aller sur milon-art.com.
www.academy.com. Et il y a également une fiche qui nous permet d'atteindre le site. Alors, ce qui va se passer, c'est que dans cette vidéo, René Milon va vous partager 10 conseils pour devenir un excellent peintre. Si vous ne le connaissez pas, eh bien, vous allez vous dire, waouh, en fait, ce gars, il s'y connaît, il sait de quoi il parle, en fin de compte. Et donc, faire des vidéos, des sujets pareils, ça vous permet d'établir et d'instaurer, de montrer votre expertise, de montrer que vous connaissez, que vous vous y connaissez dans la thématique que vous abordez. Alors, certains d'entre vous vont peut-être me dire, ouais, mais moi, je ne suis pas un expert, je suis juste un passionné. Eh bien, sachez qu'à partir du moment où vous êtes passionné et que vous vous intéressez à un sujet bien précis et que vous avez déjà lu peut-être 10 bouquins ou même 5 ou 3 bouquins, eh bien, vous êtes plus expert que la majorité des gens sur Terre. Sachez-le et éliminez ce syndrome de l'imposteur, ça ne sert à rien. Faut vraiment que vous preniez plaisir à partager votre passion et dites-vous que oui, vous êtes un expert comme d'autres se disent experts. C'est pas un problème par rapport à ça. Alors, ce qui va se passer, c'est que donc après avoir vu ce que René Milon a à vous partager, si vous êtes intéressé par la thématique de la peinture, eh bien forcément vous allez peut-être aller voir ce que René vous propose. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur ce lien. Et là, vous arrivez sur le site de René Milon qui vous propose de maîtriser rapidement toutes les techniques en dessin et en peinture. Il vous propose en fait une nouvelle formation complète avec suivi, correction et coaching privé et en direct live. Là, la promesse, c'est de vous aider à maîtriser rapidement les techniques en dessin et en peinture au travers d'une formation avec suivi et correction. Il pourrait mettre formation en ligne pour peut-être être un peu plus précis et éviter que les personnes soient perdues en se disant bah, c'est une formation, mais ça se passe où, ça se passe quand, comment, voilà. Alors, il y a une vidéo qu'on ne va pas regarder maintenant. On va peut-être même pas la regarder du tout. On va voir. L'idée, c'est de pouvoir être aussi concis dans cette vidéo parce que il y a déjà quelques minutes qui se sont déroulées. Alors ici, il nous propose de cliquez pour tester gratuitement pendant 30 jours sa nouvelle formation La peinture, c'est facile. Le titre de la formation La peinture, c'est facile, c'est au top. Je vous assure vraiment, ce titre est court. Alors, il faudrait peut-être un sous-titre. Hein. Le sous-titre, ça pourrait être deux points, maîtriser rapidement toutes les techniques en dessin et en peinture. Maîtriser rapidement pourrait être plus précis. Hein. Maîtriser en 2 mois, par exemple, c'est beaucoup plus précis. D'ailleurs, ma prochaine formation en ligne va s'appeler comment dire, Efficacité et liberté, libérer 5 jours par semaine pour faire ce qui est important pour vous. Vous voyez, il y a une promesse bien définie dans le titre de cette vidéo. Alors, vraiment, je vous invite à aller découvrir ce que René Milon fait parce que c'est vraiment déjà très très bien fait. Il y a vraiment des concepts marketing qui sont mis en application et j'ai été bluffé de découvrir cela. Et donc, enfin voilà, j'avais envie de vous partager cette découverte avec vous et en même temps ben, mettre entre guillemets un peu en lumière cette personne qui s'appelle René Milon que je vais contacter pour lui proposer de participer à un podcast Rendez-vous au Carrefour de réussite. Donc, un des épisodes, je vous tiendrai au courant évidemment de la sortie. Voilà. Alors, il vous partage effectivement le sommaire de la formation avec 127 cours disponibles à ce jour. Ça peut faire peur, attention, pas trop mettre. Je viens d'avoir le souci, c'est que je propose une formation tellement complète qu'elle dure dans le temps et les personnes, ben voilà, parfois elles prennent peur par rapport à ça. Donc, soyez prudents. Ne mettez pas trop, quitte à faire plusieurs formations complémentaires plutôt que de proposer une seule chose. Donc, il pourrait par exemple, ben, effectivement, faire des formations, donc une formation sur le dessin, une formation sur la couleur, une formation sur les techniques. Vous voyez, il y a moyen vraiment de diviser, quitte à faire des modules qui se retrouvent dans toutes les formations parce que ce sont les bases. Why not? Donc sentez-vous libre par rapport à ça. Également ici, il y a la preuve sociale, donc les témoignages. L'idéal, ce serait d'avoir les photos des personnes, hein, comme il y a sur le site du Carrefour de réussite, par exemple. Pour renforcer ce côté réaliste du témoignage. Parce qu'en fin de compte, là, on peut se dire, ouais, ben, en fait, Michel, il n'existe pas et c'est juste un faux témoignage. Je ne dis pas que c'est le cas, mais les gens
consciemment ou inconsciemment, vont peut-être se dire cela. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, à quoi ressemble justement le site de Ronnie Milon. Donc, pour vous résumer un petit peu le tout, et je vous montre juste une autre vidéo de René ici, mélange de couleurs, mélangez vos couleurs en peinture comme un pro. Vraiment, les titres sont vraiment, vraiment accrocheurs. Là, on voit qu'il y a effectivement un petit titre et tout. Vous Bonjour, voyez, je bienvenue voulais dans vous ce montrer le grand cadre cours en de fait. couleurs. Alors, Le nous allons cadre parler est très très simple, il n'y a pour le pas énormément en site. montage. Le son est bien, il y a un micro-cravate, ça c'est le principal. Il y a un micro-cravate, c'est vraiment le plus important. Et comment dire, puis une mise en scène assez sympa, puisqu'il parle des couleurs. Et eh bien, il a mis des accessoires qui font penser justement à cette thématique-là. J'avais envie de vous montrer en fait cette vidéo-ci et l'autre vidéo, parce que je trouve que c'est un exemple de la simplicité. Cette personne ne se prend pas la tête à faire des vidéos léchées, etc. Alors certes, c'est propre. Ça a un rendu assez pro, mais comment dire, il ne se prend pas la tête sur des montages compliqués. Voilà, c'est brut et on apprend à connaître cette personne, ce coach en peinture qui s'appelle René Milon. Je dis 50 fois son nom, mais je trouve qu'il le mérite, donc voilà. Ok, super. Alors, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais m'abonner, hein. Comme ça, je recevrai les informations et je pourrai le suivre. Je vous invite d'ailleurs à faire la même chose. Abonnez-vous à la chaîne YouTube David Valsimachinant, celle sur laquelle vous vous trouvez. Et abonnez-vous si vous avez envie à celle de l'atelier René Milon que je vais mettre en bas en description de cette vidéo. Alors, les choses à retenir principalement, c'est que vous pouvez vivre aujourd'hui de votre passion grâce à Internet en vendant ce que l'on appelle des produits d'information. Vous allez en fait proposer une formation en vidéo. Alors vous n'êtes pas obligé d'apparaître, hein. Vous pouvez proposer une formation vidéo où il n'y a que des slides, hein, des PowerPoint par exemple. Vous pouvez également proposer une version audio de votre formation. Vous pouvez proposer un livre électronique. Là c'est très simple, hein. Vous prenez un Word ou un Google Docs, vous écrivez le bouquin. Vous faites fichier exporter en PDF et vous avez un e-book. Alors certes, on peut aller plus loin, on peut faire des choses un peu plus belles, mais ça peut être bien pour commencer. Troisième chose à retenir, c'est que vous devez utiliser des phrases d'accroche. Des phrases d'accroche telles que 10 choses à faire, 10 conseils pour, checklist pour ceci, etc., etc. Donnez envie aux personnes d'aller découvrir votre site internet. Et sur votre site internet, ce que je vous propose et ce que René ne fait pas, c'est de faire une page de capture. Une page de capture qui vous permet ben, justement de capturer les coordonnées de votre client, de votre prospect, du coup, puisqu'il n'est pas encore client, il n'a pas encore acheté chez vous, donc c'est un prospect. De capturer son adresse email pour pouvoir le recontacter par la suite et lui proposer de continuer à l'aider avec des contenus gratuits et avec des contenus payants. Alors, si ça vous intéresse, si cette thématique-là vous intéresse, je vous invite à aller rejoindre la masterclass carrefourdereussite.com, pardon, / masterclass. Et c'est un groupe Facebook qui s'appelle Masterclass de l'idée au premier produit où je vous accompagne, je réponds à vos questions pour que vous puissiez partir de votre idée, de votre passion pour construire un premier produit et le vendre. C'est gratuit, profitez-en, inscrivez-vous, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. La quatrième chose que vous pouvez apprendre et retenir de cela, c'est qu'en fin de compte, vous pouvez diviser peut-être une grosse formation, une grosse thématique à laquelle vous pensez en plusieurs formations plus petites et complémentaires avec les autres formations en fin de compte. Parce que l'idée, ben, c'est de pouvoir proposer des choses que les gens peuvent digérer rapidement aussi. Si vous proposez une formation comme moi, je l'ai faite sur 3 mois, c'est trop long malheureusement. J'apprends de mes erreurs, hein, donc voilà, vous sachez aujourd'hui que si j'étais à votre place, je ferais des formations beaucoup plus courtes et qui peuvent permettre à la personne d'avoir des résultats très rapidement, donc sur une semaine, sur un mois, grand max, c'est ce que je vous conseille de faire aujourd'hui. Et la dernière chose, c'est ne complexez pas parce que vous ne vous considérez pas comme un expert. Je vous le répète, à partir du moment où vous êtes un passionné, vous êtes beaucoup plus expert qu'une bonne partie de la population
sur cette terre. C'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Indiquez en commentaire ce que vous pensez de cette étude de cas, ce que vous allez retenir de cette étude de cas. Je vous conseille vraiment d'aller observer ce que fait René Milon et d'aller observer ce que font les autres. C'est vraiment, vraiment super important parce qu'en fait, vous allez pouvoir vous inspirer et adapter des choses par rapport à votre business. Donc voilà, vraiment, profitez de tout ce que j'ai partagé aujourd'hui. Mettez en application surtout, très très important. Et comme d'habitude, likez cette vidéo, partagez-la à un maximum de monde pour qu'elle puisse avoir un impact. Et abonnez-vous maintenant à la chaîne YouTube pour ne louper aucun épisode du vlog Entreprendre ta vie. Et je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Prenez soin de vous. On se retrouve demain.